Recette pour Jean-Pierre Poulet. Et madame surtout. De cochon étrusque. Les pieds ont été désossés. L'idée de foie gras, attendez. Les petits de foie gras, des terrines de foie gras. Voilà. Et dessus, je vais tourner des macaronis qui ont été blanchis. C'est du gestuel manuel. Juste blanchi parce qu'après il va finir de cuire dans la sauce qu'on va ajouter dessus. On va y mettre un peu de parmesan, voilà, pour permettre le phénomène du gratin après au four ou à salamandre. Et on a une petite sauce aux truffes, voilà, qui va assurer la liaison de l'ensemble. Ce plat, il peut se réaliser un peu à l'avance, hein. Facile à la maison de faire ça et d'accompagner d'une garniture d'une bonne salade craquante. Pour nous, c'est salade d'herbes, pourpier, plantain, musina, roquette, mouron des oiseaux. Au four, bien chaud, petit four électrique en grill et c'est parfait, c'est tout. Le plat il est là, il y a les légumes, il y a la viande, il y a tout. C'est tout, il ne reste plus qu'à déguster. Voilà, bon appétit, hein. Et à bientôt. Un gratin de macaroni au pied de cochon et truffe, accompagné d'une petite salade d'herbe de la vallée du Lot, plantain, roquette et un petit peu de cresson. Très bonne continuation, madame, monsieur. Comme un millefeuille, fruits secs, amandes, noix, raisins, abricots. On va le masquer avec une couverture de noix. Hein, et on me sert ça en fromage. Ouais, c'est bon, on va la goûter tout à l'heure. Ouais, ça joue. Non, mais vous avez goûté. Donc là, une fois qu'on a mis la noix tout autour, bien le tasser. Voilà, pour bien que ça prenne. Et après, je le remets bien au froid. Pour qu'il durcisse bien pour la déco. Et après, ça se coupe comme du beurre. Donc l'appellation de cette recette, c'est un marbré de bleu d'Auvergne aux fruits secs, croûte de noix. Voilà, servi avec une petite salade de la vallée du Lot. Pour continuer votre repas, le marbré au bleu d'Auvergne de fruits confits en robe de noix accompagné d'une salade d'herbe de la vallée du Lot. Très bonne dégustation, madame, monsieur.